Alors, nous avons été honorés par une audience accordée par Madame la Première ministre, accordée à moi-même en tant que président de cité gouvernement de Cousigny, accompagné de mon secrétaire général et de mon conseiller en charge de la coopération internationale. Les échanges ont tourné autour de notre organisation en tant que CGD Afrique, que Madame la Première ministre connaît bien, parce que là, nous avons eu l'honneur de l'avoir eue comme présidente. Donc, elle a été maire de Libreville, donc elle connaît bien les problèmes posés, les problèmes que nous posons en tant que collectivité locale, en tant qu'élus locaux. Et nous sommes venus justement demander son appui pour plusieurs interventions, aussi bien au niveau africain, mais au niveau de l'organisation elle-même, solliciter son appui pour que les collectivités puissent désormais adhérer massivement à notre organisation, pour que les problèmes au niveau de nos collectivités soient accompagnés par nos gouvernements nationaux, pour que la problématique des changements climatiques soit une problématique prise en compte dans laquelle une implication effective des collectivités locales soit prise en compte. Nous la félicitons pour tous ses engagements, pour sa disponibilité, et nous félicitons par la même occasion Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Gabon, pour son discours aujourd'hui, qui a été un grand discours, un discours porteur de beaucoup d'espoir pour les collectivités locales et pour l'Afrique tout entière.